l'entraîneur des 19 ans, DH Arin Létape. Sportivement, ça ne se passe pas très très bien, parce qu'on a un trou de génération assez important. On a un groupe de joueurs qui évolue le plus souvent en équipe réserve, en DHR, en senior. Et puis derrière, on a des joueurs qui travaillent dur, mais pour qui c'est difficile d'évoluer à ce niveau-là. Bon, est-ce qu'il y a un match quand même qui vous a satisfait cette saison? Oui, chez le premier, Amnéville, qui est une équipe qui joue la montée, qui doit jouer le niveau national. Là, on a joué avec nos moyens, c'était très difficile, de grosses individualités. Mais derrière, on s'en est sorti en jouant en groupe. Et je pense que ça me donne de l'espoir sur les joueurs à venir, sur les gamins qui se développent et puis sur les générations qui vont arriver dans la catégorie. Alors justement, quels jeunes sont susceptibles d'approvisionner l'équipe première dans les années à venir? À horizon 2-3 ans, il y en aura quelques-uns, je pense, s'ils gardent le sérieux et s'ils continuent à s'entraîner sérieusement. Il y a quelques joueurs qui sont susceptibles d'intégrer le groupe si le coach le décide, mais je pense que les bases et la qualité première est là pour qu'ils puissent intégrer le groupe CFA. Dans tous les secteurs de jeu, il y a des jeunes qui ont un bon potentiel? Oui, notamment défensivement. Milieu de terrain, on est énormément fourni en milieu de terrain. Offensivement, on a 2-3 joueurs intéressants, mais bon, il reste beaucoup de travail. Hein. Ça va arriver, si ça doit arriver, c'est à horizon 2-3 ans. Mais c'est l'objectif du club. Aujourd'hui, on base tout sur la formation et la préformation, mais c'est un travail qui va nous prendre 3, 4, 5 ans pour arriver à sortir des joueurs dans le groupe de l'équipe première. Bon, sur quel résultat vous restez? Parce qu'on sait que les conditions météo ont été délicates. Est-ce que vous avez été perturbé déjà? Ah oui, on a repris l'entraînement dehors que depuis quelques jours, alors que c'était prévu il y a déjà 3 semaines. Là, on s'entraîne beaucoup en salle. Pour le moment, là, sur la catégorie U19, on capitalise au championnat des Vosges-Challes. On s'est qualifié pour la finale qui aura lieu le 12 février à Armiremont. Voilà, maintenant, à partir de cette semaine, on se réentraîne dehors et on prépare le premier match à Boulay le 28 février. Le 26 février, pardon. Qu'est-ce que ça vaut, Boulay? Boulay, c'est pas mal. Il n'y a pas énormément de qualité individuelle. Par contre, c'est une équipe bien organisée et on sait jouer ensemble. Et ça se voit que c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps. Bon, on vise le maintien, tout simplement? Non, même pas. Donc, je pense que la descente est actée. C'est pour ça qu'aujourd'hui la priorité c'est le maintien de l'équipe réserve et donc tous les joueurs évoluant en 19 ans et susceptibles de jouer au-dessus partiront au-dessus. Et aussi en dessous la catégorie U17 qui est très importante pour le club qui joue le maintien. Donc moi je resterai avec mon groupe. On n'est plus dans une logique de compétition mais on est plus dans une logique de formation. Bon, les infrastructures Arin en l'étape avec le stade Gasser et les autres terrains sont quand même assez intéressantes pour la formation. Bah oui, notamment il est prévu 2017 un nouveau terrain synthétique sur l'ancienne base du COSEC, près du collège. Donc là, on va avoir un outil performant de travail. Ça nous fera un terrain supplémentaire pour avoir des rotations d'entraînement beaucoup plus intéressantes. Puis surtout, on gagnera en attractivité et en qualité d'accueil pour les adversaires, en qualité d'accueil d'entraînement.